Bonjour à tous, c'est Quentin. Cette nuit, il a neigé sur la ville silencieuse. Et alors, je ne savais pas si j'allais un jour revoir une neige aussi belle de ma vie. Donc j'ai décidé de braver le couvre-feu qui existe actuellement en France pour faire une petite balade dans mon quartier, dans la ville de Coulaines. Et puis pour prendre quelques images, voilà. Alors, je vais sans doute mettre une petite musique ou une sorte d'ambiance binaurale et ça fera une vidéo pour dormir ou quelque chose comme ça. Regardez le ciel. Le ciel blanc est magnifique. Allez, c'est parti. Je suis clairement le premier à poser mon empreinte sur la neige.
j'étais petit, mon école primaire se trouvait juste ici. Et ça a été remplacé par une maison de retraite. Voilà. On se trouve sûrement à l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Là-bas, quand j'étais petit, il y avait un très grand arbre. Un arbre vraiment très très grand. Je crois que c'était un séquoia, un arbre qui peut vivre des centaines d'années, quoi, littéralement. Et alors, c'est marrant parce que je suis parvenu ici depuis très très longtemps. Mais je vois qu'il reste encore le pied de l'arbre qui a été coupé. Ça fait des années que je n'étais pas revenu ici. On voit la souche de l'arbre. Bon, il est l'heure de rentrer.
batterie. On va attendre qu'elle se termine et puis quand il n'y aura plus de batterie, la vidéo sera terminée. Voilà. Là, je pense que le couvre-feu est presque terminé. Les gens vont pas tarder à se réveiller et aller au travail. D'habitude, le chemin que je fais en courant. Je fais en avion ce chemin-là, quoi. Je le fais 2 à 3 fois par semaine. Mais là, j'avais pas très envie de courir. J'avais plus envie d'un moment contemplatif. Alors, j'aurais pas pu le faire en courant parce que j'ai mis des bottes de sécurité qui sont très lourdes, et alors c'est très compliqué de courir avec, mais pour la neige c'est très pratique, ça fait que mes pieds sont secs alors que ça fait 1h30 que je marche dans de l'eau, dans de la neige. Je sais pas si une seule personne un jour verra cette vidéo en entier, ça m'étonnerait, mais ne serait-ce qu'un morceau. Je sais pas si perdu dans internet une seule personne m'entend.